C'est chelou de me voir en couleur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Pink My Hair because, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo que je vous mettrai juste là, je pense, j'ai les cheveux bleus. Du moins, j'avais les cheveux bleus. Pourquoi j'ai encore changé? Pour une fois, c'est pas parce que j'aime, mais j'avais fait donc cette couleur, puis cette couleur, et enfin celle-ci, et ensuite, je me suis coupé les cheveux. Pourquoi? La toute première couleur que j'ai faite, elle était sublime. Je vous remettrai la vidéo à voir de mon premier Pimp My Hair chez ma coiffeuse, qui avait fait un travail de dingue. Mais ça virait au bleu turquoise quand je la refaisais. Et moi, le bleu, ce n'est pas ma couleur. C'est pas une couleur que j'apprécie énormément et qui me va autant. Ça me va pas du tout, en fait. J'aime pas du tout. Et pourtant, j'aime avoir l'air cadavérique, mais là, ça n'allait pas. J'ai changé pour faire du vert, parce que vert, vert sapin, vert forêt, vert bouteille, j'adore. Pourtant, je porte quasiment que du noir, dit la meuf en Bordeaux. Mais Bordeaux, c'est une des couleurs aussi qui a encore mon aval. Je suis la police des couleurs, ok? Donc, du coup, j'avais fait du vert foncé qui a viré au bleu turquoise. Again. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais les racines vert, mais vert joker. Ensuite, un turquoise avec un petit peu de bleu canard foncé, mais ça n'allait pas encore. Et le bout des cheveux, les pointes étaient top. Un vert canard magnifique, peut-être avec un peu trop de bleu pour moi, mais c'était rattrapable avec du vert. Mais le reste ne l'était pas, donc je me suis dit, fuck, je passe tout en bleu. Comme ça, au moins, c'est sûr, c'est visiblement la couleur que mes cheveux ont envie d'avoir. Ça n'allait pas, j'avais du bleu, ça allait aux racines, mais quand même clair, avec du vert. Cette fois, ça a rendu du vert, ok. Ensuite, grosse barre de bleu, le bleu mystique de chez Guitang, My Identity, hyper bien pris là. Et ensuite, du bleu clair, je ne sais pas trop. Bon, je me suis dit, bon bah ok, je vais attendre que le bleu mystique se fonde, etc. Mais sur cheveux longs, ça passait pas du tout. J'arrivais pas... Bon, avec les cheveux attachés, ça allait et tout ça. Mais bon, après j'ai coupé mes cheveux parce qu'ils commençaient à devenir très lourds sur ma tête. Et j'avais mal à la tête, etc. Et quand je les attachais, c'était pareil. Enfin, j'aimais pas du tout. Du coup, je suis allée chez le coiffeur. Mais le bleu ne me convenait toujours pas. Et je me suis dit, je vais laisser dégorger, etc. Mais c'était pas possible, c'est mal me connaître. Donc, j'ai fait une nouvelle dinguerie capillaire. Qui n'est pas vraiment une dinguerie, vous allez le voir en fin de vidéo. Mais je vais d'abord vous expliquer comment j'ai fait pour faire partir mon bleu. Donc, premièrement, j'ai d'abord fait un effaceur, un sachet d'effaceur, trouvable chez Bleu Libellule par exemple, ou tout autre grossiste pour la coiffure ou l'esthétique, avec 60 ml d'eau tiède. C'est un produit extrêmement fort, ça prend vraiment au nez. J'ai fait sortir le chat de la salle de bain parce que j'avais peur que ce soit toxique pour lui, puisque ça devait déjà être toxique pour moi. Et ça a donné ça. Du coup... Bah, c'était pas encore assez pour moi, hein, bien évidemment. Ça faisait un joli bleu, mais c'était pas assez. Donc après, j'ai fait donc un effaceur avec de l'oxydant 20 volumes, à peu près 75 ml. Donc j'ai acheté une petite bouteille. Et quand j'ai eu fini, ça a donné ça. Donc il restait du bleu sur les pointes. Pourquoi? Parce que je n'avais pas assez de produit pour vraiment tirer jusqu'au bout. Mais je savais que ma prochaine couleur allait normalement pouvoir passer là-dessus. Sachant que j'espérais peut-être récupérer quelque chose de plus blanc, mais mes cheveux aiment rendre du cuivré tout le temps, donc des teintes jaunes, des teintes oranges, etc. Même si en dessous, tout en dessous, ma déco était quasiment blanche. Je m'étais dit, si je tombe sur quelque chose où je peux remettre une coloration temporaire, ou faire un gris, ou faire un jaune, mais là c'était plus possible, à part refaire un vert qui allait virer bleu, ou un bleu qui n'allait pas me convenir. Donc... j'ai laissé tomber, j'aurais pu refaire un violet, mais en fait, je me voyais pas refaire encore des couleurs temporaires parce que j'en ai marre.
Je sais que je dis ça maintenant et vous allez voir dans je sais pas combien de vidéos, j'ai là, j'ai fait une dinguerie, j'ai décoloré puis j'ai refait une couleur par-dessus. Je me fatigue, c'est cyclique, il n'est pas exclu que je me rase la tête comme je l'ai déjà fait auparavant. Voilà. Mais pour le moment, je me suis dit, bon, il faut te raisonner. Sois sage, tu en as marre, c'est une charge mentale de s'occuper de tes cheveux. Et en plus, tu en as toujours plein les doigts. Plein les doigts, plein ma coque de téléphone, parce que bah, je touche mes cheveux, je touche ma coque qui est translucide. Elle ne l'est plus. Donc j'ai l'impression de que tout est crade, que tout ce que je touche est crade. Si je mets du vernis, bon là, faites pas gaffe, hein, ma manucure est dégueulasse. Tout ce que je touche devient bleuté ou vert ou... Stop! Donc, je me suis dit, je vais faire donc une coloration permanente. Mais comme mes cheveux étaient et décolorés et il y avait de l'effaceur, etc., etc., il a fallu que je fasse avoir une prépigmentation. J'ai perdu beaucoup de cheveux dans cette bataille. Une prépig, c'est quoi? C'est vous prenez de la coloration pure, vous la mettez sur vos cheveux, vous la séchez, vous la laissez sécher à l'air libre, et là ensuite vous faites la même coloration, ou une autre, en suivant les mélanges que vous voulez faire, moi j'ai fait la même, pour que la deuxième tienne sur la première, tienne sur vos cheveux sans glisser, parce que là j'aurais fait juste une coloration par exemple de grand magasin ou je ne sais quoi, là je suis partie pareil chez Bleu Libellule. Bah, ça aurait glissé et j'aurais eu finalement un truc vaguement un peu décoloré et c'est pas ce que je veux. Enfin, là j'ai fait un ton plus foncé que ce que je suis censée avoir au final, mais j'étais obligée pour que ça tienne, pour que ce soit propre, etc. Donc la deuxième coloration, donc là il y a la prépigmentation, n'a pas pu faire tous les cheveux, mais comme j'avais encore des pigments bleus sur le bas des cheveux, la coloration d'après va tenir, il n'y aura pas de problème, ça va un peu dégorger, mais ça ne devrait pas trop ressortir. À un moment donné, mes cheveux vont verdir, je vais devoir refaire, peut-être même avec une touche d'acajou, mais j'ai pas envie parce que je déteste les reflets rouges, etc. sur moi, ça ne me va pas non plus. Mais bon, moi il me faut des couleurs très froides, limite terne, c'est bien sur moi. Donc voilà, j'ai ensuite fait la deuxième coloration, du coup une coloration donc cette fois-ci avec un oxydant sans ammoniaque. J'ai pris une coloration avec de l'huile d'argan, avec du soin, enfin vraiment un truc pour garder l'intégrité du cheveu. Et honnêtement ça a bien fonctionné parce que déjà ça sentait pas mauvais, ça sentait vraiment bon, ça sentait l'huile d'argan, les soins à la kératine et tout ça, donc c'était top. J'ai perdu quand même beaucoup de cheveux, hein. Je vous assure que j'ai perdu mais vraiment beaucoup de cheveux, déjà que je perds beaucoup de cheveux en hiver, mais alors là, j'étais sous ma douche, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, c'est sûr, mon cuir chevelu, il a été vraiment agressé, hein, pour le coup, on va pas se mentir. Mais ça a plutôt bien rendu. Je suis assez contente du résultat. J'ai fait un très très gros soin après, mon soin Amika Soul Food, que j'adore. Passons à la révélation. J'espère que vous n'allez pas être choqués parce que ça fait un petit moment que j'ai pas été dans cette couleur là, qu'elle est un peu foncée, mais je trouve que c'est top. Donc... Tada! Donc voilà, je suis partie sur un châtain, alors que je suis châtain clair, mais ça va revenir après petit à petit. J'aurais peut-être des mèches à faire, on verra après. Mais j'en suis extrêmement contente. Franchement, je vais pouvoir remettre des couleurs. Enfin, je mets très peu de couleurs, mais voilà, ce pull-là, je trouvais que ça allait pas du tout avec les autres couleurs que j'avais. Je m'habille souvent en noir, donc c'est sûr que c'est pas un problème. Mais voilà, il y avait des rouges à lèvres que j'avais plus envie de mettre avec le bleu. En fait, vraiment, le bleu m'a déprimée. Je me sentais pas bien, je me regardais dans le miroir, j'aimais pas trop ce que je voyais. Dans ma dernière vidéo, je me trouvais très très bien, je vous l'ai dit sur le réseau, j'étais vraiment à l'aise, etc. C'était bien, mais je pense que l'éclairage jouait, mon make-up jouait. Là, même démaquillée, ça passe. Alors, c'est très proche de ma couleur naturelle, hein. Vraiment. Moi, je suis un châtain clair blond foncé. Normalement, j'ai les cheveux bouclés, mais avec tout ce qu'ils ont pris, ils bouclent pas. Ils bouclent plus. Bon, il faut quand même les lisser parce qu'ils font des trucs un peu étranges. Mais voilà, je suis extrêmement contente. Franchement, je vais pouvoir refaire des make-up de dingue et tout. Et je vous avoue que
C'est peut-être futile pour certaines personnes, mais franchement, là, ça me fait du bien. Ça veut pas dire que je vais arrêter les Pimp My Hair, parce que c'est possible que je fasse d'autres dingueries, que je coupe mes cheveux moi-même, parce que cette longue mèche commence à me saouler. Donc peut-être que je couperai tout droit et je vous montrerai. Ou je vous montrerai des coiffures. Je ferai sûrement une review sur tous les styles de couleurs et de coupes que j'ai pu avoir, parce que j'ai fait énormément de choses. Ma première coloration, elle date de... il y a 13-14 ans quand même, hein. Ouais. Et c'était roux, donc il faut voir ça, il faut que je retrouve des photos. Donc voilà pour ma nouvelle couleur de cheveux, je suis extrêmement satisfaite. Je vous avoue que les avis négatifs, je vais avoir du mal à les prendre, parce qu'il ne peut pas y avoir de choses constructives sur ça, à moins de me donner un conseil coiffure si vous êtes une ou un professionnel de la coiffure. Mais sinon, voilà. Après, n'hésitez pas à me poser des questions sur d'autres couleurs, même sur les colorations temporaires qui nécessitent pas de faire autant de travail que ça. Des fois, une petite déco sur certains types de cheveux et bim, on peut en faire une sans souci, etc. Là, je suis très contente parce que ça a rattrapé mes racines, que tout est bien et que je me sens vraiment, vraiment beaucoup plus sereine comme ça. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour cette vidéo et pour toutes les autres. Ça fait vraiment du bien psychologiquement. Je sais que ça fait ego trip, mais c'est vrai que ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne, c'est vraiment gratuit pour ceux qui ne sont pas fans de YouTube, etc. Juste vous cliquez sur le bouton rouge, vous activez la cloche, c'est bon, vous avez la notification quand une de mes nouvelles vidéos sortira. Et par là, je sais que vous me soutenez. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Je suis assez active en ce moment, donc voilà. Et je vous dis à la prochaine.